Bonjour à tous. La boxe est un domaine riche en émotions et qui passionne de nombreuses personnes à travers le monde. Aujourd'hui, notre journaliste Fufu Del Popo va revenir sur l'incroyable parcours de celui que l'on surnommait le boucher du ring, Jinbal Cobra. Jinbal Cobra, athlète hors du commun, puncheur de légende, un homme qui, à sa mort, a bouleversé toute une génération et en a inspiré une autre. Ce reportage vous est présenté par Un jour, un sport, une histoire. Un reportage signé Bad Assembly Productions et raconté par votre très dévoué Fufu Del Popo. Here's where I believe Atlas should turn to right. He could block that right hand easier and he would land his own left hook. With a devastating punch. Jinbal Cobra est né dans une petite ville du côté d'Orléans. Déjà gamin, il avait des prédispositions pour la boxe. En effet, il était agile, rapide, puissant et robuste. Mais le monde de la boxe ne l'acceptait pas, car ses techniques étaient considérées comme trop rustres. Lorsqu'il frappait ses adversaires, cela faisait penser à un boucher qui cassait des os avec son couperet. À l'âge de 19 ans, Apollon Crade, un boxeur renommé, accepte de relever le défi du challenger. Sur ces images tournées par un amateur, nous pouvons visualiser le match de Bal Cobra contre Crade. Et c'est parti, Crade entame les hostilités avec un direct du droit, mais Bal Cobra l'esquive et réplique à son tour. Jimmy un uppercut, Apollon est sonné, il enchaîne par deux crochets. Oh là là, Apollon est sonné. Non, il est pas sonné, il est assommé. Apollon est assommé. C'est une véritable boucherie. Apollon canche et droit. Les coups s'enchaînent. Nous ne distinguons plus qui il reçoit et qui donne les coups. Ah là là, à ce stade-là du match, on peut se demander si Jinbal Cobra ne va pas mettre un terme aux 8 victoires consécutives d'Apollon Crade. Eh oui, mesdames et messieurs, vous assistez à un moment peut-être historique. Nous assistons au coup spécial de Crade, le fameux coup dit du dragon que Jin se prend en pleine poire. Et c'est un down pour Bal Cobra. Et on peut se demander si Jin va se relever. Et oui, il se relève, la tête un peu embuée, mais il se relève. Nous assistons, je crois bien, à la fin du round. Les deux boxeurs sont désormais en récupération. Nous voyons Jin. Jin récupère de l'énergie avec une barre chocolatée et Apollon avec un bisou. Et le second round démarre avec Jin qui donne son coup spécial, le Hadouken, que Apollon esquive et il balance son coup spécial que Jin esquive aussi. Mais tout le monde esquive aujourd'hui, même ma mère. Et oui, même ma mère a esquivé le match. Et je vous entends d'ici derrière votre poste qu'on avait dit pas les mamans. Mais reprenons le match puisque Jin est en train d'enchaîner des coups. Il assomme Crade et c'est un enchaînement de crochets. Oui, il l'enchaîne et c'est le down pour Crade qui se relève en 2 secondes puisque le dopage est autorisé. Et comme vous pouvez le voir, le bisou a fonctionné pour Apollon. Nos deux boxeurs enchaînent les coups
ils ne se font pas de cadeaux puisque nous voyons que Jin se prépare à lancer son Hadouken mais que Crad l'esquive et réplique avec un crochet puis un direct qui down Jin pour la seconde fois. Mais bien entendu, la barre chocolatée fait ses miracles. Merci aux confiseries. Et nous nous approchons de la fin de ce second round. Ils nous en ont mis plein les mirettes. Les voici de nouveau en récupération. Ça a l'air dur pour Apollon. Mais à nouveau le bisou du dopage. Oh mais non, ce n'est pas pour Apollon. Elle a changé, c'est pour Jin. Eh oui, l'amour peut être une drogue. Nous entamons ce troisième round avec Apollon qui balance son coup du dragon que Jin esquive et il balance son Hadouken. Oh là là, c'est un terrible coup pour Apollon puisque Jin l'enchaîne. Crochet, uppercut, direct, direct et Crad est au sol. L'arbitre se met à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Victoire pour Jin. Comme vous le savez, c'est quelques années plus tard, après s'être fait une réputation d'excellent puncher, que Balcobra dut affronter pour le titre de champion du monde des poids lourds les frères Benji. En effet, l'un était châtain et le second blond. Jin s'était entraîné comme un forcené pour ces matchs qui d'ailleurs, espérons, vous plaisent. Mais revenons en arrière. Après sa victoire contre Crad, suite à cela, le jeune boxeur enchaîna les combats et aussi les victoires. Il arriva au score mythique de 42 victoires par KO. Quelle légende! Dans les mois qui suivirent, très peu de combattants acceptèrent de boxer contre Balcobra. Alors en attendant, il s'essaya au Kick Mami, un sport de haut niveau, mais qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Il s'orienta alors sur le Kick Papi, qui eut un succès éphémère auprès des férus du sport de combat. Après cela, Jin Balcobra inventa de nouvelles techniques, telles que le piton du tonnerre ou l'orvée flamboyante. Des techniques qui, rappelons-le, furent apprises par des maîtres boxeurs de France. On raconte même que la paire de gants qu'il porte à ce moment-là serait les crânes de ses ancêtres qui étaient eux aussi de très bons boxeurs. Enfin, ce n'est qu'une légende. Incroyable, n'est-ce pas? Mais je parle beaucoup trop et je vais plutôt vous laisser apprécier ces fameux matchs. Car après tout, il s'agit là de combats exceptionnels, que dis-je, fantastiques. Et nous nous retrouvons pour le second round du match de Jin contre le second frère Benji Dragon. Dragon d'un coup puissant, désoriente Jin, il essaie de répliquer, mais Benji le désoriente de nouveau. Ah là là, il est dans la panade. À ce moment du match, on peut dire que Jin, excusez-moi l'expression, prend très cher. Jin ne parvient pas à se dépêtrer du coin. Il le prend. Balcobra résiste tant bien que mal, assénant des petits directs à un Benji Dragon toujours aussi déterminé à en découdre avec lui. Il le met au tapis en 3 secondes. Balcobra revient à toute vitesse. Il parvient enfin à s'extirper du coin, ce coin qui l'a tellement mis en difficulté. Et oh, Benji Dragon assène un coup violent à Balcobra. Il semblerait que malgré le léger avantage de Dragon, Jin retrouve petit à petit ses esprits. En effet, il parvient à placer quelques coups que la montagne russe lui renvoie toujours sans pitié. Forcé de constater que la garde de Jin s'améliore. Quel combat! Vous pouvez voir que les combats contre les frères Benji étaient les plus durs de toute sa fabuleuse carrière de boxeur. Mais sa détermination était bien entendu sans faille. Son cœur et son âme étaient à l'unisson. Le boucher du ring, c'était bien lui. Chers auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui nous rejoignent, nous assistons en direct à la fin du dernier match de la carrière de Jin Balcobra. Cet affrontement contre les redoutables lunettes de la mort, Benji Dragon 2, frère de Benji Dragon 1er, dit la montagne russe, est un affrontement d'anthologie. Dernier coup des athlètes et c'est le moment de la récupération et du dopage. Avant le troisième round, nos adversaires semblent épuisés. Nul doute que l'issue de ce combat sera épique. La commentatrice de l'époque n'avait pas tort. Nul doute que ces combats étaient les meilleurs de sa vie. En parlant de ça, c'est à l'âge de 30 ans que le champion eut quelques complications. En effet, lors d'un entraînement avec un sac de frappe, ce dernier vint lui donner un coup violent, ce qui causa un traumatisme crânien
et qui enchaîna la mort de Jim Balcombe. Malgré ce drame épouvantable, je pourrais vous parler encore et encore de ce grand boxeur à l'allure incroyable. Malheureusement, le temps me manque et notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. C'était Fufu Del Popo pour Un jour, un sport, une histoire.